بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك Aujourd'hui, on commence un nouveau dars. Et le dars qu'on commence, c'est sur le livre de l'imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et le livre s'appelle Al-Aqidatul Wasitiyya. Al-Aqidatul Wasitiyya. Et ce livre-là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il l'a écrit en réponse à une question que des gens lui avaient posée au sujet de l'aqida. Et les gens qui lui ont posé cette question-là venaient de la ville qui s'appelle Wasit. Et c'est pour ça qu'on appelle cette aqida Al-Aqidatul Wasitiyya, parce que c'est les gens de la ville de Wasit qui lui ont envoyé cette question. Donc, qu'est-ce le sujet du livre? C'est l'aqida et en particulier l'asma wa sifat. Okay? Donc c'est un sujet qui parle de la croyance, puis en particulier qui se concentre sur la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah en ce qui concerne comment on doit croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça parle pas uniquement de ça. Ça parle également de d'autres points qui concernent la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a au sujet de d'autres choses aussi, comme par exemple au sujet de la foi, au sujet des Sahaba, au sujet de qu'est-ce qui se passe, Yom al-Akhir, des choses de ce genre, Al-Qadar, des questions qui ont rapport à ces choses-là aussi, mais en particulier, tout le commencement du livre parle de l'asma wa sifat. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, avant de commencer à étudier le livre directement, parce que si possible, Inch'Allah, qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'on va étudier l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan, d'accord. J'aurais peut-être aimé trouver un charh d'un autre Cheikh, puisque on a toujours, depuis le début, commencé à étudier des livres du Cheikh Al-Fawzan. Donc pour faire changement, j'aurais peut-être voulu utiliser le charh d'un autre parmi les ulama yani salafiyin de notre époque, mais malheureusement yani j'ai pas trouvé d'autres charh de ce livre yani qui était aussi bien clair et aussi yani ça a l'air que j'aime beaucoup le Cheikh Fawzan yani, donc je pense qu'on va prendre cette explication là pour lire le livre. Et puis, donc avant de commencer ça par contre, j'aimerais faire un petit résumé de la biographie du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, d'accord. Donc, je tire cette biographie d'un livre, un autre charh, une autre explication de l'Aqid al-Wasitiyya, avec l'explication de Muhammad Khalil Harras. Muhammad Khalil Harras, c'était un des ulama d'origine égyptienne qui était parmi les grands ulama en Arabie Saoudite durant ce siècle ou le siècle passé. Et puis
il a écrit un charh de ce livre-là et il a été corrigé et, ou bien disons qu'il y a un des parmi les Toulab Ilm d'aujourd'hui qui a fait une correction puis qui a sorti les hadiths et tout ça, qui a fait le tahqiq si tu veux, et il s'appelle Alawi ibn Abdul Qadir al-Saqqaf et il a mis dans ce livre-là à l'introduction une petite biographie de l'imam Ibn Taymiyyah. J'ai trouvé que c'était très très bénéfique, donc j'ai décidé d'utiliser cette biographie-là. Donc, on commence. Le cheikh il dit « Nasabuhu wa mawliduhu » ou « mawliduhu » wa alaykum salam wa rahmatullah. « Nasabuhu wa mawliduhu » c'est-à-dire c'est quoi l'origine ou la généalogie de Cheikh al-Islam et c'est quoi sa date de naissance, quand est-ce qu'il est né. Donc il dit « Huwa Ahmad ibn Abdul Halim, ibn Abdul Salam, ibn Abdullah, ibn al-Khidr, ibn Muhammad ibn al-Khidr, ibn Ali, ibn Abdullah, ibn Taymiyyah al-Harrani. » Donc il dit que son nom en entier, avec ses grands-parents et tout ça, la chaîne c'est qui s'appelle, son nom c'est Ahmed, fils de Abdul Halim, fils de Abdul Salam, fils de Abdullah, fils de Khidr, fils de Muhammad, fils de Al-Khidr, fils de Ali, fils de Abdullah, Ibn Taymiyyah, fils de Taymiyyah Al-Harrani. Donc c'est ça, ça c'est son nom en entier. Et la raison pourquoi on l'appelle Taymiyyah, c'est qu'il y a différentes explications parmi les ulama. Il y en a qui ont dit que, à cause que son cinquième grand-père, Muhammad ibn al-Khidr, il a fait le Hajj, et il est passé par la route de Taïma, hein, et il a vu une petite fille, un petit enfant. Alors quand il est revenu, il a trouvé que sa femme avait accouché d'une fille. Alors il a dit « Ya Taïmiyyah, Ya Taïmiyyah ». À cause de ça, à cause qu'il avait, quand il a pris la route de Taïma, il avait vu cette petite fille-là. Donc, il l'a appelée la petite fille Taïmiyyah, et ce nom-là est resté. Mais on l'a appelée par ce nom-là à cause de ça. Et il y a d'autres chouyours qui ont rapporté d'autres raisons, comme le cheikh dit, wa zakara ibn al-Najjar, il dit, قال ibn al-Najjar, ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسميه تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. Donc il dit que, il y en a qui disent que son grand-père Mohammed, sa mère l'appelait Taymiyyah. Donc elle était une femme qui donnait souvent des exhortations, puis à cause de ça, yani, on lui a donné ce nom-là et il a été, elle lui avait donné, sa grand-mère, sa mère lui avait donné ce nom-là à son cinquième grand-père. Et il a été connu par ce nom-là, donc c'est resté. D'accord. Et il dit « Ulida yawm al-ithnayn al-ashir min shahri rabi' al-awwal sanat 661 » Il est né un lundi, le dixième jour du mois de rabi' al-awwal. Rabi' al-awwal dans les mois arabes. En l'an 661, Hijri. En l'an 661, dans la ville de Harran, dans une des parties de la Syrie. Harran, c'est une ville en Syrie, Al-Sham. Wa yulaqab bi Sheikh al-Islam Taqiyuddin, wa yukna bi Abi al-Abbas. Oui, c'est ça. Donc, on l'appelle Sheikh al-Islam Taqiyuddin. Ça, c'est son surnom. Sheikh al-Islam Taqiyuddin, et sa kunya, c'est Abu al-Abbas. Abu al-Abbas et sa kunya. OK. Après il dit استعملت هذه التسميه في القديم استعملها الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل وغيرهما. OK. Donc la question, quand on dit par exemple Cheikh al-Islam, eh ben on dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ça c'est un titre que certains ulama ont utilisé pour décrire certains parmi les grands ulama de l'islam. D'accord. Et c'est pas seulement Ibn Taymiyyah qui a été
à qui on a attribué ce titre de Cheikh al-Islam. Beaucoup parmi les grands imams, on leur a donné ce titre-là. Et si vous lisez par exemple le livre de l'imam al-Zahabi, Siyar A'lam al-Nubala, vous allez voir que parmi les imams de Ahl-Sunnah, beaucoup d'entre eux, quand ils les décrivent, ils parlent et ils disent Cheikh al-Islam. Donc Ishaq ibn Rahouya, je me souviens bien, il le décrit en disant Cheikh al-Islam. Et Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, beaucoup d'entre les imams, il les décrit comme étant Cheikh al-Islam. Et le docteur, le Cheikh Mohamed Diya al-Rahman al-Azami, qui était le directeur de la faculté de hadith lorsque j'étais là-bas, il était l'Amid. Donc, lui, il a écrit dans un de ses livres qui est Mu'jam Mustalahat al-Hadith, il dit شيخ الإسلام من أرفع ألقاب المحدثين. يعني كي شيخ الإسلام هو أحد أعلى titres qu'on peut donner aux علماء الحديث. يعني ومن أشهر من لقب به الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. il est né en 396 il est mort en 481. Ok, donc ça c'est un des ulama qui s'appelle Abdullah ibn Muhammad ibn Ali al-Ansari al-Harawi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Zammul Kalam. Wa huwa min zurriyati Abi Ayyub al-Ansari sahib al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est un des descendants de Abi Ayyub al-Ansari, qui était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana yu'azzimu l'imam Ahmad ayu ta'zim. Il respectait l'imam Ahmad de respect incroyable. وكان رحمه الله تعالى صلبا في السنة متبعا لها. il était dur sur la sunna. Et il la suivait يعني avec fermeté يعني. ويقول الذهبي قد كان هذا الرجل سيفا مسلولا على المبتدعة. il était un épée contre les gens de bid'a. Un épée tranchant sur les Moubtadi'a et les Moutakallimin. La husulatan wahibatan wastila' ala nufusi bi baladi. Il était très respecté, il était très respecté par les gens de son pays. Il a un impact puissant sur eux, dans son pays, dans l'endroit où il vivait. Wa qala ibn Tahir, sami'tuhu yaqul, عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال لي اسكت عن من خالفك فأقول لا اسكت. donc il dit qu'on l'a menacé, Ibn Tahir a dit qu'il a entendu cet imam dire on m'a menacé avec l'épée 5 fois et on m'a pas dit quitte ta position mais on m'a dit cesse de parler de ceux qui sont contraires à toi ou qui s'opposent à toi. Ne parle pas contre ceux qui sont pas d'accord avec toi. Et moi je dis non, je ne vais pas me taire. Donc ça c'est la position comment les ulama ils agissaient vis-à-vis des gens de bid'a. Et même si les gens de Bid'a essaient de lui demander de se taire, de pas les démasquer, de pas parler contre eux, de pas montrer leurs égarements, eh ben ils refusent. C'est ça l'exemple des ulama qui suivent la sunna et qui sont durs. Contrairement aux gens de Bid'a aujourd'hui, qui te demandent de pas parler contre ceux qui sont contraires à toi et de pas te montrer leurs égarements et leurs mensonges, ils veulent que tu te taises et que tu cesses de parler contre les gens de Bid'a pour que les gens continuent à être trompés par leur égarement et par leurs mensonges. Tandis que quand tu les dénonces et quand tu montres leurs mensonges et leurs contradictions avec la charia, et là, les gens sont avertis. Et ça nuit aux gens de Bid'a parce qu'ils ne peuvent plus par la suite prendre leur argent et profiter d'eux. Et donc ça les dérange. Donc, alhamdoulilah, il faut suivre cet exemple. Et après il dit « ويقول أحفظ 12,000 حديث أسردها سردا » Il dit « Je mémorise plus que 12,000 hadiths et je les récite de mémoire comme ça. » Son livre « Dam al-Kalam wa Ahlihi »
il a été publié. Et il dit également, وَمِمَّنْ اِشْتُهِرَ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَيَكُونُ هُوَ الْمُرَادِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدْ إِبْنَ عَبْدِ الْحَلِيمِ ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن تيمية الحراني الدمشقي وله دراية وله دراية تامة بالحديث وعلومه وقد شاء الله تعالى أن يشتهر اسمه في الآفاق لإخلاصه للدين والعقيدة وهو غني عن التعريف. Donc il dit, et parmi ceux qui ont été célèbres et qui ont été connus par ce titre de Cheikh al-Islam, et lorsqu'on dit Cheikh al-Islam tout seul comme ça, sans spécifier, on parle bien sûr de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, parce que c'est à lui que ce titre-là est donné. Lorsqu'on parle de Cheikh al-Islam, on parle automatiquement de Ibn Taymiyyah, excepté si on spécifie qu'on parle d'autre que lui. Et il avait une connaissance complète du hadith et de sa science. Hein? Une grande connaissance du hadith et des sciences du hadith. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son nom soit célèbre partout dans le monde, à cause de sa sincérité dans la religion et dans sa croyance. Et il est tellement célèbre qu'on n'a presque pas besoin de dire qui il est, puisqu'il est tellement connu. Donc ça c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il y a également parmi ceux qui ont été appelés par ce titre Al-Hafiz Al-Allama Abu Abdullah Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, ibn Khuzaymah qui est mort en 311, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, dans lequel il réfute les gens de Bid'a, de Jahmiya et de Mu'tazila et des Asha'ara et autres. Wal-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail الجرجاني، أو لابلس الإسماعيلي، صاحب المستخرج، إمام أهل خراسان، وهو الذي قال فيه الذهبي ابتهرت بحفظه، وجزمت بأن المتأخرين على يأس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة من تصانيفه المعجم والمسند الكبير. Donc, il est mort en 371, pardon. Il est mort en 371, et c'est lui qui a écrit un livre de Mustakhraj, et il est l'imam de la région de Khurasan. Et Al-Zahabi a dit qu'il était étonné par sa science et par sa mémoire, et qu'il avait peu d'espoir que quelqu'un il avait peu d'espoir que les gens parmi les ceux qui sont venus après puissent atteindre son niveau de mémorisation et de connaissance. Et parmi les livres qu'il a écrits, c'est Al-Mu'jam et Al-Musnad al-Kabir. Donc il était un des grands imams. Il y avait également, parmi les ulama qu'on appelle Cheikh al-Islam, Ibn Hajar al-Asqalani, qui est né en 773, et qui est mort en 852, et c'est celui qui a, Cheikh al-Islam, c'est Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, et c'est celui qui a fait le charh de, un des ulama qui a fait le charh de Sahih al-Bukhari. Et il y a également, parmi ceux qui sont appelés Cheikh al-Islam, le Cheikh Mujaddid al-Da'wat al-Salafiyya, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, qui est né en 1115 et qui est mort en 1206. Ça, c'est un autre des ulama qui sont appelés par ce titre de Cheikh al-Islam parce qu'il a fait la réforme de l'Aqidah et des enseignements de l'Islam dans le 12e siècle. C'est un des grands imams de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. D'accord? Et, yani. Donc ça c'est un petit résumé, et vous allez voir beaucoup de gens de Bid'a qui détestent Ibn Taymiyyah et qui l'attaquent et qui prennent, yani, qui font de lui un ennemi numéro un au sujet de l'Aqidah, et en particulier yani, les Ahbash. Vous trouvez les Ahbash qui détestent
et bien c'est mis à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Et qui avertissent leurs élèves et leurs fidèles contre Ibn Taymiyyah, qui leur font même peur de, au sujet d'Ibn Taymiyyah, parce qu'ils ont tellement peur que ces gens-là commencent à lire Ibn Taymiyyah et qu'ils réalisent que Ibn Taymiyyah était sur la vérité, alors ils leur font peur et ils leur racontent toutes sortes de, d'histoires fausses à son sujet, et ça on va en parler plus tard, Inch'Allah. Donc, c'est pas seulement Ibn Taymiyyah qui était cheikh l'islam. Et on l'appelle Cheikh Islam Ibn Taymiyyah parce que c'était un des plus grands savants de son époque et presque de tous les temps, si on veut. Après, il dit Usratu. Usratu al-Taymiyyah min al-Usra al-Ariqa bi-Harran. Wa qad ishtuhirat bil-ilm wa-d-din. Sa famille est une famille ancienne de la ville de Harran. Et elle est connue pour sa science et sa religion. فجده أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة ومن مؤلفاته المنتقى من أخبار المصطفى الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc son grand-père أبو البركات مجد الدين fait partie des grands parmi les imams du madhhab hanbali. Parmi les livres qu'il a écrits, son grand-père, c'est le livre qui s'appelle Muntaqa al-Akhbar. Muntaqa al-Akhbar, c'est un livre de hadith. Et c'est des hadiths qui se concentrent sur l'aspect de fiqh, les questions, les règles de fiqh dans l'islam. Donc, c'est un recueil de hadiths divisé par les chapitres, selon les chapitres du fiqh, hein, en commençant par exemple, Tahara, après Salat, Zakat, Hajj, Somme, etc. Puis il continue comme ça avec tous les règles de la Sharia. Puis, donc c'est un livre de hadith des Ahkam de la Sharia. Et Ash-Shawkani, il a expliqué ce livre-là dans un livre qui s'appelle Nailul Awtar. Et c'est un livre très bénéfique et qui est yani, très, très volumineux aussi, qui a beaucoup de bien. Yani. Après, il dit Wawali Duru. شهاب الدين عبد الحليم أبو المحاسن تولى مشيخة بعد والده تولى المشيخة وألم ولديه أبا العباس وأبا محمد. Donc son père il s'appelle شهاب الدين عبد الحليم أبو المحاسن. Ça c'est son nom et ses surnoms. Après la mort de son père, c'est-à-dire le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'était lui qui était comme le cheikh dans sa ville, yani dans la ville de Harran, et il a enseigné à son fils, Ibn Taymiyyah, et le frère d'Ibn Taymiyyah qui était Abu Muhammad. Et le frère d'Ibn Taymiyyah, c'était également un grand savant, qui s'appelle Abu Muhammad Sharafuddin, et il a appris et étudié le fiqh hanbali, le madhhab hanbali, et il est devenu un des grands savants dans ce madhhab. Après, il dit shuyukhuhu, c'est qui étaient les shuyukh de Ibn Taymiyyah. Il dit yaqulu tilmizuhu Ibn Abdul Hadi shuyukhuhu alladhina sami'a minhum akthar min 200 alim. OK, l'élève de Ibn Taymiyyah, un de ses élèves qui s'appelle Ibn Abdul Hadi, il a dit les shuyukh desquels il a étudié, avec qui il a étudié, sont plus que 200 chefs, d'accord. Donc il avait un grand nombre de shuyukh avec qui il a étudié l'islam. Wa ashharuhum wa min ashharihim Sheikh Shamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Qudama al-Maqdisi al-Mutawaffa sanat 682. Donc il est mort en 682. Et son nom c'est Shamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Qudama al-Maqdisi, un des grands ulama parmi les Hanabila. Un autre parmi les ulama avec qui il a étudié c'est Aminuddin Abu al-Yaman Abdul Samad ibn Asakir al-Dimashqi al-Shafi'i, qui est mort en 676.
Un autre parmi les ulama avec qui il a étudié, c'est Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Qawi ibn Badran al-Mardawi, qui est mort en 703. Hein, donc ça c'est trois parmi les grands ulama avec qui il a étudié, et il y en avait 200. Donc ça c'est juste le début. طيب تلاميذه ses élèves كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما زال مدرسة عريقة تتلمذ فيها في عصره كثير من العلماء ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته الجمة الجم الغفير. Donc il dit que Ibn Taymiyyah il a eu beaucoup d'élèves, et jusqu'à, yani beaucoup de ulama sont sortis de son, à cause de son enseignement. Il a produit beaucoup d'élèves qui ont été des grands ulama eux aussi. Hein. Donc des fois, si tu veux savoir la grandeur d'un savant, tu peux voir sa grandeur ou sa force par la force de ses élèves, les élèves qu'il a produits. Et ça c'est un bon exemple. Okay. Et il dit jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont en train d'étudier ces livres. Parmi les grands ulama qui sont très influents, qui ont eu de l'influence aujourd'hui, c'était des gens qui ont étudié avec les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui ont été influencés par ses écrits également. ومن أشهر من تتلمذ على يديه شمس الدين ابن عبد الهادي المتوفى سنة 744. Donc il dit Shamsuddin ibn Abdul Hadi, celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est un de ses élèves, il est mort en 744. Shamsuddin al-Zahabi, ça c'est un autre de ses élèves, il est mort en 748. Shamsuddin ibn al-Qayyim, c'est bizarre, ils s'appellent tous Shamsuddin, mais c'est leur surnom. Shamsuddin ibn al-Qayyim, al-Mutawaffa, sanat 751, 751. Ibn al-Qayyim il est mort en 751. Et Shamsuddin ibn Muflih également, lui aussi c'est Shamsuddin, Sahib al-Furu' wal-Adab al-Shar'iyya, il est mort en 763. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furu' et Al-Adab al-Shar'iyya et beaucoup d'autres aussi, Ibn Muflih. Et mashallah, il est très fort lui aussi. Et Imad al-Din ibn Kathir, vous connaissez Ibn Kathir, lui celui qui a écrit le tafsir al-Qur'an al-Azim, d'accord, et lui c'est un autre de ses élèves, il est mort en l'an 774. Donc quand vous avez cette collection de cette brochette de savants, devant vous, là, on vous dit ça, voici les élèves qui l'a produit là. Alors tout de suite vous avez une petite idée de la grandeur de l'homme de qui on parle, yani Ibn Taymiyyah, yani c'est pas n'importe qui. Donc le cheikh dit mazhabuhu, c'est quoi son mazhab? Le cheikh dit nasha'a hanbaliyan thumma kana minhu ma qala anhu al-zahabi wa lahu al-an 'iddat sinin la yufti bimadhhab mu'ayyan بل بما قام الدليل عليه عنده ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجفر هو عليها سبحان الله. Donc il a été éduqué dans le madhhab hanbali, d'accord, mais l'imam al-Zahabi dit à ce sujet-là, il dit, et depuis quelques années, il fait des fatwas sans se baser sur aucun madhhab en particulier, d'accord, il se base uniquement sur la preuve qui a été claire pour lui, il a vu qu'une preuve était claire dans le Coran et dans la Sunna, et il se base là-dessus. Voilà, qad nasara sunna, il a donné la victoire à la Sunna, ok, et la voie des salafs, at-tariqat as-salafiyya, et yani, il a établi pour cette voie-là des preuves et des introductions et des choses auxquelles personne ne l'avait précédé, et il a ramené des expressions yani, que des gens avant lui et après lui n'ont pas osé, ils ne sont pas capables
les amener, mais lui, il les a ramenés, yani, il a passé à travers. Donc ça, c'est l'explication de l'imam al-Zahabi. Puis on va revenir à ça plus tard pour comprendre exactement. Yani, parce qu'en fait, la réalité, c'est que Ibn Taymiyyah, c'était un mujtahid. Il a atteint le degré de l'ijtihad. Donc, yani, il n'avait plus besoin de se limiter à aucun madhab, puisqu'il a atteint un degré de science qui lui permettait de faire par lui-même des déductions, puis d'extraire des verdicts du Coran et de la Sunna. Et bien entendu, il connaissait tous les madhahibs des autres imams, des salafs et de ceux qui sont venus après. Il connaissait les différences d'opinion entre chacun d'entre ces madhahibs-là et les preuves de chacun d'entre eux. Et donc, il est capable d'analyser les questions et de ramener la position qui, selon lui, est la plus proche de la vérité. D'accord? Donc, c'était un des grands imams. Ensuite, il dit « Aqidatu ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le cheikh, quand il parle de l'aqida de l'imam Ibn Taymiyyah? Il mentionne un petit poème que Ibn Taymiyyah a écrit lui-même, dans lequel il a répondu à quelqu'un qui lui demandait une question au sujet de sa croyance. Et puis, étant donné qu'on va étudier sa croyance, je pense que c'est pas nécessaire de le lire, parce que, yani, on va étudier Al-Wasitiyya, donc ça va nous donner déjà une idée de ça. Ensuite, il dit, wa mu'allafatuhu. C'est quoi les livres qu'il a écrits, Ibn Taymiyyah? Le Cheikh, il dit, an mu'allafatihi yaqul al-Zahabi, جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه فوجدته 1000 مصنفا أي نعم 1000 مصنف ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى. Donc il dit j'ai rassemblé les livres que l'imam avait écrit Ibn Taymiyyah et j'ai trouvé 1000 écrits de Ibn Taymiyyah. 1000 livres d'Ibn Taymiyyah, puis par la suite j'en ai vu d'autres. Après, il dit « وَلَقَدْ صَنَّفَ تِلْمِيذُهُ النَّجِيبُ ابن القيم الجوزية كتاباً سماه أسماء مؤلفات ابن تيمية. ابن القيم, son élève, a écrit un livre dans lequel il a rassemblé le titre de tous les livres que Ibn Taymiyyah avait écrit. Et il est publié ce livre-là déjà. Il a été publié ce livre-là. وَكَانَتْ لَهُ الْيَدُ الطُّوْلَى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين وشهد له بذلك خصمه ابن الزملكاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc il avait يعني la mélange quand il écrivait bien et il avait des bonnes expressions, il séparait bien ses sujets et il clarifiait bien les choses et même son opposant qui s'appelle un de ses opposants qui s'appelait Az-Zamalkani, et bien lui-même il a témoigné de ça, yani qu'il avait une bonne façon de s'exprimer et d'écrire. Yani. وَكَانَ يَتَكَلَّمُ اللُّغَةُ الْعِبْرِيَّةِ. Il parlait même la langue hébreu. Il parlait même l'hébreu. وَاللُّغَةُ الْلَتِنِيَّةِ. Et même la langue latine également. Il parlait le latin et l'hébreu. ويفهم ذلك من قوله والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين المتقاربتين غاية التقارب حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. il dit qu'on peut comprendre qu'il comprenait l'hébreu en analysant qu'est-ce qu'il dit lui-même dans un de ses livres, qu'il dit les termes hébreux sont très proches de l'arabe, et quand il entendait des musulmans qui étaient juifs par exemple, qui s'étaient convertis à l'islam, qui lui avaient mentionné quelques passages de la Bible en hébreu, il disait qu'il arrivait à comprendre certains des termes hébraïques, yani, juste en se basant sur l'arabe, parce qu'ils ont beaucoup de racines qui sont rapprochées, puis des choses qui sont très proches, hein, parce que c'est des langues sémitiques. L'arabe et l'hébreu sont deux langues sémitiques. صفاته الخلقية والخلقية.
ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques de, dans sa personnalité. أما صفاته الخلقية فقد كان كريما مجبولا عليه لا يتصنع لا يتصنعه وكان شجاعا زاهدا في الدنيا لا يتعلق بشيء منها بشيء وكان يترك كثيرا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. En ce qui concerne ses caractéristiques physiques, alors il était généreux et il était né comme ça, yani Allah lui a donné ça comme caractéristiques. Et il ne faisait pas semblant d'être, ou ne se forçait pas pour être généreux. Il était déjà, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il était généreux de nature. Et il était courageux également. Et il était zahid. Okay? Il ne s'attachait pas au bien de la dunya. Et il abandonnait beaucoup de choses qui sont permises dans, par crainte de tomber dans ce qui est haram. Hein? Et les ulama, ils ont dit ça. Quelqu'un, tant qu'il n'a pas laissé certaines choses qui sont halal, dans, par peur que de tomber dans le haram, il n'a pas encore été un muttaqi. Il n'a pas encore craint Allah, tant qu'il n'a pas laissé certaines choses permises, par crainte de tomber dans le haram. Après le chef dit « Amma sifatuhu al-khalqiyya faqad kana abyadu al-lawn asadu sha'ri ras » واللحية قليل الشيب شعره إلى شحمتي أذنيه وعيناه ولسانان ناطقان. Donc il le décrit, il dit qu'il avait la peau blanche, il avait les cheveux très noirs et la barbe également noire. Il n'avait pas de وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Il n'avait pas de poils blancs dans sa barbe beaucoup. يعني il dit que ses deux yeux étaient comme deux langues qui parlent, c'est-à-dire il parlait avec ses yeux, son regard était un regard vif, et il parlait bien, il était fasih, hein, il était très éloquent quand il parlait, et yani, donc il le décrit de cette façon-là. Jihaduhu, jahada rahimahullah bilisanihi wa qalamihi wa yadih, il a fait le jihad, rahimahullah, avec sa langue, avec sa plume, et également avec sa main. وحارب التتار il a combattu les tatars lui-même, il a participé au jihad contre les tatars. وحرب المسلمين ضدهم il a encouragé les musulmans à les combattre également. وتقدم الصفوف في وقعة سقحب, si je ne me trompe pas la prononciation, c'est ça, il a même été dans les premiers rangs dans la bataille de سقحب, si je ne me trompe pas. C'est 702, en l'an 702. Wa samada diddahum fi yawm maraj as-suffar. Il a également été et combattu contre eux, également dans le jour qui s'appelle Maraj as-Suffar, c'était une bataille probablement. Wa dakhala ala malik at-Tatar Qazan. Il est même entré aller voir le roi des Tatars qui s'appelait Qazan pour lui parler. Hein. وكلمه كلاما آثر دهشة دهشة الحاضرين لجرأته, يعني il était tellement il avait tellement de l'affront et tellement il avait pas peur يعني de lui parler, il était vraiment fier et tout, donc ça les a impressionnés grandement de voir comment Ibn Taymiyyah avait du courage et une force de personnalité. كما هدد سلطان مصر لما كاد يسلم بلاد المسلمين للتتار, il a même parlé durement avec le dirigeant de l'Égypte parce qu'il a presque abandonné le pays aux Tatars, donc Ibn Taymiyyah est entré pour lui parler, pour lui dire يعني fait quelque chose, parce que là les Tatars, si tu continues là, ils vont envahir la place et puis ils vont prendre l'Égypte يعني. Donc il était proche, il allait et il donnait le conseil aux dirigeants. Les Tatars, c'est les Mongols, yani. Ah, non, c'est les Genghis Khan et les descendants de Genghis Khan par la suite. C'était pas Genghis Khan à cette époque-là, je crois. C'est ses descendants, oui, c'est ça. Kublai Khan. Mais là, il parle de Qazan. Peut-être c'est un autre aussi. Oui, c'est ça, c'était tous des descendants, parce que c'est pas dans une seule génération que tout ça s'est passé. Ça s'est passé à travers plusieurs générations, yani. Après, il dit, wa sana'u ulama alayhi.
Et ça, c'est très important. C'est une section où on parle comment les savants ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce que d'autres ulama de son époque ont dit à son sujet. Et ça, ça nous fait voir l'importance d'Ibn Taymiyyah et comment il était aimé et respecté par les autres ulama. Okay? Et c'est en même temps pour répondre aux gens de Bid'a qui critiquent et qui attaquent Ibn Taymiyyah. D'accord? Le cheikh a dit « لقد أثنى على شيخ الإسلام أعداءه وأقرانه قبل أصدقائه وتلاميذته حتى عز ابن ناصر الدين الدمشقي أكثر من 80 عالما من معاصريه أثنى عليه كما أفرد ذلك بكتابه الشهير الرد الوافر يرد فيه على علي محمد بن محمد العجمي الشهير بالعلاء البخاري المتوفى سنة 741 الذي زعم أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. الشيخ الفيدي il dit que beaucoup de gens ont glorifié et parlé en bien d'Ibn Taymiyyah. Ses ennemis et ses proches avant ses amis et ses élèves. Même ses ennemis ont parlé en bien de lui et ont admis et témoigné de son degré de science, etc. et de son intelligence et de sa force yani, dans l'islam. Et même il y a un des ulama qui s'appelle Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi, il a compté plus que 80 savants de son époque qui ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Et il a écrit, il a rassemblé ces témoignages-là dans un livre, yarhamukallah. Il a rassemblé tous ces témoignages-là dans un livre qui s'appelle Ar-Radd al-Wafir. Et il a écrit ce livre-là, Ar-Radd al-Wafir, contre un autre soufi qui avait écrit un livre et ce soufi s'appelle Ali Muhammad ibn Muhammad al-Ajmi, et il est connu sous le nom de Al-Ala al-Bukhari. Il est mort en 741, celui-là. Et lui, il a écrit un livre. Il dit dans le titre du livre que celui qui pense que Ibn Taymiyyah est cheikh de l'islam, il est kafir. C'est ça le titre de son livre. Ok? Celui qui dit cheikh de l'islam, que Ibn Taymiyyah est cheikh de l'islam, celui qui dit ça, il est kafir. Donc, notre cheikh Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi a écrit son livre Ar-Radd al-Wafir. Il a rassemblé plus que des témoignages de 80 savants de l'époque de Ibn Taymiyyah qui ont vécu avec lui, qui ont parlé en bien de lui pour montrer le mensonge de qu'est-ce que Ala al-Bukhari avait dit au sujet de Ibn Taymiyyah. D'accord? Il l'a réfuté clairement. Et le cheikh dit, ومن هذا الكتاب اخترت واستخرجت أقوال أشهر مشاهير علماء عصره وعصر المؤلف ابن ناصر الدين ولم أرد ثناء تلامذته له أمثال ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي لأنها كثيرة ومعروفة. Donc il dit j'ai fait sortir quelques-uns des témoignages des ulama de son époque et de l'époque de Ibn Nasir al-Din pour montrer les glorifications et comment les savants ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Et il n'a pas mentionné les plus grands élèves d'Ibn Taymiyyah parce que on sait déjà comment ils ont parlé en bien d'eux, d'Ibn Taymiyyah. Donc, il en mentionne un, le premier c'est Ibn Sayyid al-Nas. C'était un des ulama. Okay. Il dit, il a écrit un livre qui s'appelle Uyun al-Athar, fil marazi wa shama'il wa siyar. Ça c'est le titre de son livre et il est mort en 734. Donc, qala rahimahullah. ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته أو حاضر بالملل والنحل ولم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته وبرز في كل فن على أبناء جنسه ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه سبحان الله
Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Sayyid al-Nas? Il dit j'ai trouvé qu'il était une personne qui avait acquis de toutes les sciences, une partie de toutes les sciences, et il avait une connaissance enveloppante de toutes les sunan et les athar, les hadiths dans sa mémoire, ok. Et lorsqu'il parlait du tafsir, c'est comme si c'est lui qui était le premier dans ce domaine. Et quand il parlait, et quand il faisait un fatwa dans le fiqh, alors c'est comme s'il a atteint le plus haut degré, la limite dans ce domaine également. Et quand il rappelait les choses du hadith, alors tu vois que c'était l'homme de la question. Yani, il connaissait le domaine du hadith dans sa science et dans les questions de narration et toutes ces choses-là, il le connaissait en profondeur. Et quand il parlait des sectes et des groupes déviés, yani, c'était une des personnes avec une connaissance les plus larges et les plus profondes de ce domaine-là. Yani. Et on ne pouvait pas trouver personne à un niveau plus élevé que lui dans ce domaine-là. Et il a réussi à se démarquer. Il a réussi à se démarquer dans toutes les sciences, sur tous les gens de son époque, hein, dans toutes les sciences. Et aucun œil, walam tara aynun man ra'ahu mithlu. L'œil de celui qui l'a vu n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui l'a vu, il n'a jamais vu quelqu'un d'autre pareil à lui. Et lui-même, il n'a jamais vu quelqu'un comme lui. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah lui-même n'a jamais vu quelqu'un égal à lui. Après, il dit Shamsuddin. Il y a un autre témoignage, c'est Shamsuddin al-Zahabi, celui qui a écrit Siyar A'lam al-Nubala, qui est mort en 747. Il dit, قال رحمه الله, هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته. فلو حلفت أو حلفت بين الركن والمقام فحلفت إني ما رأيت بعيني مثله أو مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. يزي moi je suis, il est trop grand. Ibn Taymiyyah est trop grand pour que quelqu'un comme moi parle de ses qualités, yani, et des choses de bien qu'il a fait. Et si je devais jurer entre le coin de la Kaaba et le maqam d'Ibrahim, je jurerais que je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Mon œil n'a jamais vu quelqu'un semblable à lui ou comparable à lui. Et lui-même n'a jamais vu quelqu'un, par Allah, il dit, je jure par Allah que lui-même n'a jamais vu comme quelqu'un comme lui. Dans tous les domaines, dans toutes les sciences, yani, c'était un des plus forts parmi les ulama. Il dit, wa qala fi mawdi'in akhar, qara'a al-Qur'an wal-fiqh, wa nazara wa stadalla, wa huwa dun al-bulugh. Il a étudié le Qur'an et le fiqh, et il a commencé à faire des discussions et des débats, et amener des preuves sur des sujets, il n'avait même pas encore atteint la puberté. Dara'a fi al-ilm wa al-tafsir, wa afta wa darrasa wa lahu nahu 20. Hein, il s'est approfondi dans la science et dans le tafsir, et il a commencé à faire des fatwas et à donner des durus. Il avait environ 20 ans. وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه. Et il a écrit des livres, il a commencé à écrire, et il est devenu parmi les plus grands ulama durant la vie de ses shuyukh. Durant la vie de ses savants, de ses professeurs à lui. Subhanallah. وله المصنفات الكبار التي صارت بها الركبان. ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 راس أو أكثر. Il dit que les livres qu'il a écrits, les gens, yani, ils font des longs voyages pour essayer d'en avoir un. Ils font des voyages pour retrouver ses écrits. Et il est possible qu'à ce temps, à son époque, c'est-à-dire à l'époque de Al-Zahabi, les livres qu'il a écrits sont plus que 4000 kurras, hein, ou bien plus même. Fassara kitab Allah, muddat as-sinin, min sadrihi,
fi ayyam al-jum'a. Donc, il a fait le tafsir du Coran, hein, le tafsir du livre d'Allah, dans, en plusieurs années, de son cœur, yani, sans retourner à des références et tout, tout dans, de son cœur, yani, qu'est-ce qu'il a mémorisé dans les jours de rassemblement. Wa kana yatawaqqadu zaka, yani, il était très intelligent. Wa sima'atuhu min al-hadith kathira, il a beaucoup écouté les hadiths. وشيوخه أكثر من 200 شيخ إلى بلوس كو 200 شيخ معرفته بالتفسير إليها المنتهى يعني لا ليميت على كونيسونس دو تفسير وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه on peut pas le rattraper dans la mémorisation du hadith et des narrateurs et de son authenticité ou des faiblesses des hadiths يعني il y a personne qui pouvait l'égaler dans ce domaine. أما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن مذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. En ce qui concerne le fiqh et comment il l'expliquait, qui rapportait les paroles des mazahib des sahaba et des tabi'in, sans parler des quatre mazahib, des quatre mazahib par la suite, il dit n'avait pas d'égal dans ce domaine-là également. أما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا. Il dit dans les questions des sectes, des déviés, des groupes déviés, des religions, hein, et dans l'usul, les usul wal-kalam, dans les fondements de la religion, et dans ilm al-kalam et ces choses-là, il dit je connais personne qui est égal à lui là-dedans également. Et Ibn Taymiyyah, quand il parlait même des religions du christianisme ou les autres religions, subhanallah, il les avait étudiées toutes. Il avait étudié toutes les affaires, même la philosophie, le toutes ces affaires-là, il les avait toutes étudiées et il les avait maîtrisées. Et une fois, il y a un prêtre qui lui a écrit une lettre pour l'inviter à se convertir au christianisme. Ibn Taymiyyah lui a répondu par quatre volumes. Hein? Le livre, il est publié actuellement. Al-Jawab al-Sahih, l'imam d'Addal al-Din al-Masih. C'est une réponse à une lettre d'un prêtre chrétien qui l'appelait à se convertir au christianisme. Et Ibn Taymiyyah lui a répondu pourquoi il ne veut pas se convertir au christianisme, et il a répondu avec quatre volumes. Et certaines éditions du livre étaient publiées en six volumes. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple à quel point Ibn Taymiyyah, il était fort dans, même dans les autres religions, il connaissait la Bible par cœur, et même dans leur langue. Et quand il leur répond, tu vois ça, quand il parle des choses, il dit, et même dans votre livre, c'est écrit telle chose, à tel endroit. Donc, subhanallah, yani. Après, il dit, Ahmed Didat, à côté d'Ibn Taymiyyah, c'est une goutte d'eau dans un océan, là. Non, mais on peut pas comparer ça. Et ceux qui veulent vérifier ça, retournez à ce livre, Al-Jawab al-Sahih, لمن بدل دين المسيح. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire la réponse correcte, la bonne réponse à celui pour ceux qui ont ou à qui a changé la religion de Jésus, fils de Marie, hein, le Messie. Donc c'est une réponse aux chrétiens. Et après il dit نظيرا من الأصول ويدري جملة صالحة من اللغة il était très fort en arabe وعربيته قوية جدا il est très fort dans la langue arabe même dans la langue arabe يعني, il était très fort ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب en ce qui concerne sa connaissance de l'histoire et de la vie des sahaba et des tabi'in et de leur biographie et tout ça et de l'histoire du prophète صلى الله عليه وسلم et toutes ces choses là يعني في عجيب في إتونان عجب عجيب أما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف بيان كي كونسن son courage et son jihad et comment il est parti de l'avant dans ces choses là c'est une chose qu'on ne peut même pas décrire on a de la difficulté à en parler يفوق المعوت وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب به المثل c'est quelqu'un on peut le prendre on peut
faire des proverbes, des paraboles avec des exemples de qu'est-ce qu'il dit. وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. Il était quelqu'un qui s'intéressait pas, il s'attachait pas aux choses de la dunya. Il était satisfait de peu dans la nourriture et dans les vêtements. وتقي الدين, un autre, un troisième, تقي الدين السبكي. Son nom c'est تقي الدين السبكي et c'est le fils. Non, c'est le père de Taj al-Din, Sahib al-Tabaqat al-Shafi'i al-Kubra. Il dit en parlant d'Ibn Taymiyyah, Kabura qadru wa zakharatu bahri wa tawassu'uhu fil ulum al-shar'iyya wa al-aqliyya wa fartu zaka'ihi wa ijtihadihi wa bulughi fi kulli man min zalika al-mablaq al-ladhi yatajawaz al-wasf. C'est ça, il décrit sa capacité et sa grande connaissance des sciences islamiques et des sciences également, de la raison et toutes ces choses-là, et son intelligence et son effort, et tout ce qu'il a atteint dans ça, c'est difficile à décrire. Il a un qal, « Qadruhu fi nafsi a'zamu min zalika wa ajal » Il dit, le respect que j'ai pour lui en moi est plus grand encore que ça. مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. انتهى كلامه. Donc il parle encore une fois de comment il était, comment il avait beaucoup de zuhd, comment il s'éloignait de tout ce qui est haram, et comment il était religieux, il s'éloignait de la fitna et tout ça, et puis comment il défendait la vérité, et comment il faisait tout ça pour nulle autre chose que pour défendre la vérité, et comment il suivait la voie des salaf, etc. Donc tout ça, il parle comment il dit que Ibn Taymiyyah a été un des grands ulama. Et un autre qui s'appelle As-Subki également, c'est Muhammad ibn Abdul Barr al-Shafi'i, qui est mort en 777. Il disait, rahimahullah, « Ma yubrid ibn Taymiyyah illa jahilun, ou sahibu hawa. Fal jahilu la yadri ma yaqul, wa sahibu al-hawa, yasudduhu hawahu anil haq, ba'da ma'rifatihi bihi. » Il dit, personne ne peut détester Ibn Taymiyyah sauf deux personnes, un ignorant ou une personne qui suit sa passion. En ce qui concerne l'ignorant, il ne sait pas ce qu'il dit, et en ce qui concerne celui qui suit sa passion, alors c'est sa passion qui l'empêche d'accepter la vérité et d'agir en conséquence. Donc, ça c'est ce que As-Subki a dit à son sujet. Kamaluddin Az-Zamalkani, je m'excuse, j'ai de la difficulté à prononcer son nom. Az-Zamalkani, c'est un de ses opposants. Al-Shafi'i, kana min khusumih, il est mort en 727. Il a dit, rahimahullah, au sujet de Cheikh al-Islam, kana idha su'ila an fannin min al-ilm, dhanna al-ra'i wa-s-sami' annahu la ya'rifu ghayra dhalika al-fann. Lorsqu'on lui posait une question au sujet d'une science ou d'un domaine quelconque, la personne qui le regarde ou qui l'écoute pense qu'il ne connaît aucune autre science que celle-là. Tellement il est fort dans ce domaine dont il parle, on dirait qu'il ne connaît aucun autre domaine que celui-là dont il parle. Subhanallah. Wa hakama anna ahadan la ya'rifu mithluh. Il va juger que personne ne connaît personne comme lui. Et puis, il faut avoir lu de ses écrits pour comprendre la réalité de qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à ce sujet-là. C'est pas des paroles en l'air qu'ils sont en train de dire à propos de Ibn Taymiyyah. Celui qui lit les œuvres et les écrits de Ibn Taymiyyah, il reconnaît ça. Il reconnaît ça. Après, qu'est-ce qu'il dit? وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك سبحان الله كان ابن تيمية parlait des autres sectes et des autres groupes et que les gens de Bid'a qui étaient assis là ils écoutaient qu'est-ce que Ibn Taymiyyah disait
ils apprenaient des choses de Ibn Taymiyyah qu'ils ne savaient même pas à propos de leur propre madhhab, c'est-à-dire de leur propre yani, groupe ou secte ou qu'est-ce qu'ils suivaient, yani, de bid'a. Donc c'est juste pour te dire, yani. Et même j'ai entendu souvent l'histoire que certains parmi les gens de bid'a, ils allaient amener leurs enfants même pour s'asseoir pour écouter Ibn Taymiyyah quand ils parlaient de leur secte pour qu'ils apprennent les choses de Ibn Taymiyyah quand il explique leur madhhab. Parce qu'il expliquait tellement clairement. Puis quand ils commençaient à critiquer, puis à ramener les preuves contre leurs opinions et tout ça, ils ramenaient leurs enfants avec eux pour pas qu'ils entendent les réfutations de Ibn Taymiyyah. Hein? Après il dit, ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله من المنسوبين إليه ولم يرى من 500 سنة أحفظ منه. Il dit, et lorsqu'il commençait à discuter avec quelqu'un ou débattre avec quelqu'un, il ne le laissait jamais, hein. Il ne s'arrêtait jamais de parler avec lui. C'est-à-dire, il n'avait jamais fini de lui expliquer, hein. C'est pas lui qui arrêtait la discussion. Et lorsqu'il parlait dans une science quelconque, hein, que ce soit dans la charia ou d'autres sciences, eh ben, il dépassait tous les gens qui étaient soi-disant spécialisés dans cette science-là. Et, il dit depuis 500 ans, personne n'a jamais vu quelqu'un qui avait une plus grande mémorisation que lui. Hein? Ibn Daqiq al-Id, al-Qushayri, al-Maliki, al-Shafi'i. Il est mort en 702. Il a dit, rahimahullah, au sujet d'Ibn Taymiyyah, لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويضع ما يريد. Il dit, lorsque je me suis assis avec Ibn Taymiyyah, hein, c'est comme si j'ai vu un homme, toutes les sciences sont présentées devant lui. Il prend ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut. C'est comme si il est devant une grosse bibliothèque et quand il décide de parler de quelque chose, il prend ce qu'il aime, il prend ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut pas. Donc c'est comme si, subhanallah, il a toutes les choses devant lui, c'est comme tout, il a mémorisé tellement de sciences, il est capable de parler de ce qu'il veut et il choisit quand il veut de parler de qu'est-ce qu'il veut, yani, avec une grande facilité. Un autre exemple, Al-Burzali, il s'appelle Abu Muhammad Al-Qasim ibn Muhammad Al-Jbili, Al-Asl, Al-Dimashqi. Il vient de l'Andalousie, puis par la suite il est allé vivre à Damas. Il est mort en 738. Il a dit au sujet de Ibn Taymiyyah, كان إماما لا يلحق غباره في كل شيء. بلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم كان الحاضرون يقضون منه العجب هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله. Cet imam al-Burzali, il dit, il était un imam, hein, et yani, il pouvait, yani, peu de gens pouvaient l'atteindre, yani, dans n'importe quel domaine. Il a atteint le niveau de l'ijtihad et il avait rassemblé toutes les conditions pour être un mujtahid, pour être parmi les mujtahidien. Et lorsqu'il parlait de tafsir, les gens étaient comme ébahis devant la grandeur de la mémorisation de cet homme. Et comment il le présentait d'une façon tellement bien présentée. Et comment il donnait à chaque chose, à chaque parole, qu'est-ce qu'il méritait. Et il faisait le tarjih, c'est-à-dire il clarifiait quelle parole était plus correcte et quelle n'était pas correcte, hein. Et il expliquait qu'est-ce qui est faible et il réfutait qu'est-ce qui était faux avec preuve
il rentrait dans les détails, même parfois pour expliquer aux gens qui étaient là. Et les gens étaient là devant lui en train de le regarder parler, et ils étaient étonnés devant cet homme-là. Et ça, c'est sans mentionner, yani, comment il était un homme qui s'éloignait, qui ne s'attachait pas à la dunya et qui se concentrait dans l'adoration, et yani, qui se... Yani, il appelait les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un exemple, yani, de l'exemple d'Ibn Taymiyyah, comment il était. Et moi une fois j'ai écouté un alim, il est décédé, rahimahullah, c'est Muhammad Amin al-Shankiti. Et c'est vraiment une... Quand j'ai écouté ce alim-là, c'est vraiment là que j'ai eu l'impression de un petit peu comme de la description de ce que ce cheikh-là il parle maintenant, quand il parle de tafsir et comment il parle l'exemple de Ibn Taymiyyah, comment il était quand il commençait à expliquer le Coran, comment il avait mémorisé tout ça. J'ai eu cette impression-là quand j'ai entendu Muhammad Amin al-Shankiti. C'est un cheikh qui était de la Mauritanie, qui était allé en Arabie Saoudite. Je pense qu'il était parti en Arabie Saoudite à pied. Et une fois arrivé là-bas, on l'a pris pour un esclave, puis on l'a vendu dans un souk, subhanallah. Et puis, après, ils ont trouvé que c'était un grand alim. Après, ils l'ont mis comme professeur à l'université là-bas. Et il enseignait, non seulement il enseignait dans l'université, il enseignait dans une section spéciale, particulière de l'université. Il enseignait uniquement aux grands ulama dans l'université. Donc c'est pour ça que Ibn Uthaymeen, c'était un de ses élèves, et Al-Fawzan, et beaucoup parmi les grands ulama maintenant en Arabie Saoudite, ont tous étudié sous Muhammad Amin al-Shankiti. Hein? Alors c'était un des grands ulama, et quand il parlait, j'ai donné des fichiers audio à Mukhtar, il parle vite, mais c'est comme si quand il parle, on dirait qu'il lit un livre. Il donne tout des. Il faut l'écouter pour comprendre de quoi je parle. Et il ne parle pas comme moi, là, lentement, là. Mais il parle comme s'il récite quelque chose. C'est comme une cassette. Et rapidement, là. Et sans arrêt. Et puis avec Coran, Sunna, et les arguments, et les réponses, et tout. Même il va sortir parfois un poème des Arabes, de la langue classique, l'arabe classique, pour montrer une preuve au niveau de la langue. Et puis après, il commence à... Subhanallah, c'est étonnant. Et ça me rappelle un peu l'exemple d'Ibn Taymiyyah maintenant. Hein? Donc ça, c'est vrai. Quand tu vois... J'imagine, si le cheikh Mohamed Amin Shankiti donne cette impression-là à n'importe qui l'écoute aujourd'hui, imaginez Ibn Taymiyyah. Hein? Ça doit être incroyable. Ça doit être vraiment étonnant. Hein? Abu al-Hajjaj al-Mizzi, al-Dimashqi, al-Shafi'i, c'est un des grands ulama également. Il a écrit un livre qui s'appelle Tahzib al-Kamal, et ça parle des narrateurs des six livres de Sunan les plus connus. Il a ramené leur biographie, et il a parlé de leur niveau et tout ça. Donc c'est un livre qu'on a au sujet des narrateurs de hadith. Il dit « Ma ra'aytu mithlu, wa la ra'ahu mithla nafsi ». وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. Ça c'est un témoignage incroyable. Il dit, je n'ai jamais vu personne comme lui, et lui-même n'a jamais vu personne comme lui, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui connaît mieux le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui le suit plus que lui. Hein, et qui les suit, le Coran et la Sunna plus que lui, ça c'est incroyable. وقال مرة لم يرى مثله منذ 400 عام. Il dit, on n'a jamais vu quelqu'un comme lui depuis 400 ans. Subhanallah. قال ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري. Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a fait le sharh de Sahih al-Bukhari, le livre qu'on appelle Fath al-Bari, et bien il dit, من أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر.
Il dit que, qu'est-ce qui était parmi les choses les plus étonnantes de cet homme? C'est que c'était un des gens qui s'est tenu plus fort contre les gens de Bid'a, qui a été le plus dur contre les gens de Bid'a. Il a réfuté toutes les Bid'a qui existent, yani. Je ne pense pas qu'Ibn Taymiyyah a laissé une Bid'a de son époque sans la, ou une secte de son époque sans écrire quelque chose à son sujet et sans la réfuter, yani. Et ce n'est pas juste une petite réfutation comme ça, là, superficielle. C'est une réfutation de la racine. C'est-à-dire qu'il prend l'arbre, il enlève la racine au complet, puis il la jette. C'est pas juste couper les feuilles ou les branches, là. C'est pour ça que tous les gens du Bid'a, en général, les détestent tous Ibn Taymiyyah. Et donc, il a réfuté les Rawafid, et Al-Hululiyyah, et Al-Ittihadiyyah. Et ses écrits là-dessus sont nombreux et célèbres. قال أيضا ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية صاحب التصانيف السائرة التي انتفع بها المواقف والموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته فكيف قد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. Il dit, يعني, il fait la comparaison que j'avais fait au tout début. Il dit, يعني, si tu veux savoir, يعني, si c'était pas seulement du niveau, du degré de Ibn Taymiyyah, si tu pouvais juste comparer, voir ses élèves comme Ibn Qayyim, Et les livres que Ibn Qayyim a écrits, et que tout le monde en profite, même ceux qui s'opposent à lui, ceux qui sont d'accord avec lui, ils en profitent également. Alors ça serait déjà une suffisante preuve pour montrer le niveau de Ibn Taymiyyah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors que même des gens de son époque, parmi les grands ulama qui vivaient avec lui, ont tous témoigné du fait qu'il était au-devant dans toutes les sciences. Et qu'il s'était distingué dans tous les imams de son époque, et en lui-même parmi les savants qui étaient al-Shafi'i, dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, et ça c'est sans mentionner ceux qui étaient des Hanabila. Donc des ulama de tous les madhab, ils étaient tous d'accord pour témoigner de sa science et de sa grandeur. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Mais ça c'est, j'en ai mentionné je pense 8, et puis il y en a beaucoup d'autres encore, il y en a 80 qui mentionnent des choses de ce genre. Mais là c'est juste pour vous donner un exemple. Après il dit « al-iftira'at alayh » des gens qui ont menti au sujet de Ibn Taymiyyah. Et il mentionne l'histoire qui a été rapportée par Ibn Battuta al-Rahal, un voyageur qu'on appelle Ibn Battuta. Soi-disant il aurait fait parcouru les pays musulmans, et puis il a écrit un livre pour expliquer qu'est-ce qu'il a vu, puis qu'est-ce qui est arrivé durant son voyage. Donc, il dit dans, Ibn Battuta, il dit dans son livre s'appelle « Tuhfatul Anwar fi Gharaib al-Ansar wa Ajaib al-Asfar ». Il dit dans ce livre-là « Wasaltu yawm al-Khamis al-Tasi' min Shahr Ramadan al-Mu'azzam am 600 عام 26 إلى مدينة دمشق الشام. Donc, il dit, Ibn Battuta, il dit que le mercredi, le 9 du mois de Ramadan, en 726, je suis rentré dans la ville de Damas. Puis après, il dit, وكان بدمشق من كبار فقهاء الأنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام. يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئا وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظمهم ويعظهم على المنبر. Il dit que quand il est rentré à Damas, il dit parmi les grands savants Hanabila, parmi les fuqaha de l'époque, il y avait Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Et il était un grand alim dans la Syrie et il parlait de nombreux domaines, de nombreuses sciences et tout ça, sauf qu'il dit qu'il avait quelque chose dans sa tête, il n'est pas correct dans
sa raison, il n'était pas normal. Et donc, il dit que les gens de Dimashq, ils le considéraient comme quelqu'un de grand, etc. Et Ibn Taymiyyah, il leur parlait et il leur donnait une exhortation, il était sur le minbar. Après, il dit, il en parle. فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على المنبر على منبر الجامع يذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا ونزل درجة من درج المنبر فعرضه فقيه المالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته إلى آخر كذبه وافترائه. Il dit j'ai assisté un jour de vendredi lorsqu'il faisait il parlait aux gens, il exhortait les gens, il était sur le minbar de la mosquée. Alors il leur parlait de quelque chose et à un moment donné il leur a dit Allah il descend aux cieux, au dernier cieux de la dunya comme moi je descends. Et là il a descendu d'une marche sur le minbar. Alors il dit, il y a un des chouyours qui était là, qui s'appelle Ibn Zahra, et c'est un savant maliki, et il lui a dit, pourquoi il ne faut pas dire ça, etc., c'est pas correct de dire ça. Et là il dit, quand le faqih maliki, quand Ibn Zahra a dit ça, tous les gens se sont mis contre lui et ils ont commencé à le frapper avec leurs mains et leurs sandales et jusqu'à ce que son chapeau tombe par terre. Alors le cheikh il dit ça c'est juste une partie du mensonge qu'il a inventé contre Ibn Taymiyyah. Et il dit وهذا كلام هذا افتراءه ولهذا لما أورد هذا الكلام الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه للقصيدة المنية أعقبه بقوله وأغفى بالله من من هذا الكذب الذي لم يخف الله كذبه لم يستحي مفتريه في هذا الحديث وفي هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si t'as pas honte, fais ce que tu veux. C'est ça qu'il a dit le cheikh Ahmed ibn Ibrahim ibn Isa dans son charh d'un livre de l'imam Ibn Qayyim qui s'appelle Al-Nouniyya. Il a dit ça, il a dit cet homme-là, il a menti. Et le prophète a dit celui qui n'a pas de gêne ou qui n'a pas de honte, qu'il fasse ce qu'il veut. Et après le cheikh il explique la raison pourquoi c'est un mensonge, c'est ce qu'il a dit, parce que à l'époque où il prétend avoir vu Ibn Taymiyyah en train de dire cette chose-là, Ibn Taymiyyah avait déjà été emprisonné, il était dans la forteresse de Damas, donc il ne pouvait pas avoir été là en train de parler aux gens, sur le minbar. Donc il dit « هذا المفتري الكذاب » ça c'est clair qu'il a menti. « فإنه ذكر أنه دخل دمشق في تاسع في التاسع رمضان سنة 726 والشيخ ابن تيمية الزاكى قد حبس في القلعة وقد ذكر ذلك العلماء الثقات. Donc il dit à cette époque-là Ibn Taymiyyah avait déjà été emprisonné dans la forteresse de Damas, donc il ne pouvait pas être là-bas. Il dit que أبو الفرج الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب إلى ديد أن طبقات الحنابلة lorsqu'il a parlé de la biologie ou la biographie du Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة 26 إلى ذي القعدة سنة 28. Donc il dit que le cheikh est rentré dans la forteresse le sixième jour du mois de Sha'ban en l'année 726. Donc il était déjà rentré, parce que le mois de Sha'ban il vient avant le mois de Ramadan. Donc il était déjà en prison et il est mort en prison. Il n'est jamais ressorti après. Il est mort 2 ans plus tard, 228, en 728.
dans cette prison-là. Donc il est rentré en 726, au mois de Sha'ban le 6, et il est sorti deux ans plus tard, il est mort en prison. Donc ça c'est la preuve du mensonge de cet homme-là. Et Ibn Khaldun, il a parlé de Ibn Battuta dans un de ses livres, et Ibn Khaldun, il a même montré que cet homme-là, il a menti sur d'autres choses également. Ibn Battuta a menti sur d'autres questions. Il raconte même, il mentionne même un passage dans son livre où il a dit qu'il est arrivé dans une ville en Inde, il a rencontré un homme qui son nom signifie qu'il a vécu 300 ans. Et yani, il est entré, il a vu l'homme qui vivait 300 ans, et cet homme-là lui a dit, à chaque 100 ans, mes dents et mes cheveux repoussent. Donc, yani, et Ibn Khaldun, il a été étonné de voir que Ibn Battuta mentionnait des absurdités pareilles, quoi. Donc, on n'est pas étonné par la suite de voir que cet homme-là puisse mentir au sujet de Ibn Taymiyyah. لذا زيدي دخلنا إليه فسلمت عليه وعانقني وجسمه رطب ولم أرى ألين منه ويظن رأيه أن عمره 50 سنة وذكر أنه في كل 100 سنة ينبت له الشعر والأسنان إلى آخره. Donc ça veut dire, c'est comme si je suis rentré, je lui fais la collade et j'ai trouvé que son corps était frais, yani. Et il a l'air d'avoir 50 ans. Mais il lui a dit qu'à chaque 50 ans, à chaque 100 ans, il a des nouveaux cheveux puis des nouvelles dents qui poussent. Donc ça fait partie des choses étranges qu'il a dit. Hey, Allah al-Musta'an. Donc c'est juste pour vous dire, yani, comment il disait n'importe quoi. Donc sa parole n'est pas une référence. Après, il dit « Mihnatuhu wa wafatuhu ». Eh bien, il dit le cheikh au sujet des épreuves que Ibn Taymiyyah a eu à subir et de son décès, il dit « Kana khusum Ibn Taymiyyah fi kathirin min al-mihan hum qudatu min al-fuqaha alladhina kabura alayhim mukhalafatuhu lahum fi fatawihi wa ara'ihim min al-sufiyya wa ahli al-kalam ». Donc il dit que les opposants de Ibn Taymiyyah, dans plusieurs de ses épreuves, c'était ses juges, hein, parmi les fuqaha. Hein, et eux, ils ne pouvaient pas supporter de voir que Ibn Taymiyyah les contredisait dans ses fatwas et dans ses positions, et ce sont surtout parmi les soufiya et les gens de kalam, parmi les asha'ira et les autres gens de bid'ah. Donc il dit « وَقَدْ سُجِنَ مَرَّاتٍ عَدِيدَةٍ » Il a été emprisonné de nombreuses fois. « مِنْهَا » في سنة 705 في يوم الجمعة 26 من رمضان ليلة العيد نقل إلى مكان آخر بالجب أو بالجب وظل حبيسا به عاما كاملا. Donc il est rentré en prison plusieurs fois, et parmi ces fois-là il est rentré en 705 le 26, un jour de vendredi, Jumu'ah. C'était durant le ramadan. Ah oui, c'est ça. On l'a changé de place la nuit de l'Aïd. Wa fi laylatil 'id nuqila ila makanin akhar. Oui, c'est ça. La nuit de l'Aïd, il a été transporté à un autre endroit. Barakallahu fik. Et il est resté emprisonné un an entier. Il est resté un an entier emprisonné. Thumma kharaja min as-sijn. Yani, il est sorti un an après. Thumma hubisa maratan ukhra bi sabab da'awa ba'd as-sufiyya. Thumma kharaja. Donc, يوم عيد الفطر عام 709, il a été emprisonné une autre fois à cause de certaines accusations des soufis, et il est sorti en 709 le jour de عيد الفطر. Pardon ? Non, 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 c'était pas des Mu'tazila. C'était yani, le gouverneur, je sais pas, mais c'est les juges. C'est les juges avec qui il a des problèmes. Parce que souvent c'était des juges qui étaient des Asha'ira ou des Soufiyas. Hein. Et c'est les juges qui le faisaient emprisonner. Mais non. C'était bien longtemps après. Ouais, je pense, à l'époque des 20e siècle, c'était pas les Abbasiyas.
Dans les années 700, oui, l'Empire Abbasiyya avait été déjà secoué, divisé, je crois. Parce qu'il y avait un dirigeant en Égypte, il y avait un dirigeant en Syrie, hein, donc je crois qu'ils n'étaient pas, un seul gouvernement, là, un seul État. Ils étaient divisés à cette époque-là. Mais c'est juste pour dire, Yanni. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que Ibn Taymiyyah, il avait eu des problèmes avec les dirigeants. Alors que Ibn Taymiyyah, c'est un salafi. Et la position des salafs en ce qui concerne les dirigeants, c'est d'écouter et d'obéir, excepté dans le péché. D'accord? Et de jamais appeler les gens à la révolte ou quoi que ce soit. Ibn Taymiyyah n'a jamais appelé à la révolte. Et il est mort en prison, rahimahullah. Mais les raisons pour lesquelles il a été mis en prison, c'est pas parce qu'il a opposer les dirigeants ou parler contre les dirigeants, c'est uniquement parce qu'il a réfuté des gens de bid'ah et qu'il a fait des fatwas sur différentes questions et que les juges et les fuqaha de l'époque et les soufis ont mis les dirigeants contre lui à cause de ces choses-là et c'est pour ça qu'il était à chaque fois emprisonné. D'accord? Parce que souvent les gens parmi certains gens d'aujourd'hui qui sont influencés par certaines idées de révolution ou je sais pas quoi, ils essaient d'utiliser des paroles d'Ibn Taymiyyah, comme par exemple ces fatwas qu'il a fait contre les Tatars ou des choses de ce genre, pour justifier certains actes de terrorisme ou certaines actions qu'ils font aujourd'hui dans le monde musulman. Et puis la fatwa d'Ibn Taymiyyah et le contexte de ces fatwas-là n'ont aucun rapport avec le contexte des musulmans d'aujourd'hui et la réalité de qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani les a réfutés ces gens-là, yani, quand ils venaient avec les arguments pour essayer de se défendre sur les fatwas d'Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Albani a dit le contexte d'Ibn Taymiyyah et votre contexte aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et vous ne pouvez pas appliquer cette fatwa d'Ibn Taymiyyah sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est deux choses différentes. D'accord? Donc, Yanni, juste pour mentionner ça en passant. Et après, il dit, ثم امتحن مرة أخرى عام 726. Il a été encore emprisonné en 726. ومنع من الإفتاء. Il a été interdit de faire des fatawa. واعتقل. وكان ذلك يوم الجمعة. عشر من شعبان وظل في سجنه سنتين وأشهرا ومات فيه ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة وشهد جنازته من الخلائق ما لا يحصره عد il dit qu'il a encore eu une autre épreuve également. Il a été jugé et encore une fois il a été interdit de, comme j'avais dit, il avait été interdit de faire des fatwas. Puis, après, il est resté en prison pendant 2 ans et quelques mois, et puis il est mort en prison. Il est mort en prison, puis il donne la date. Et le nombre des gens qui ont assisté à sa janaza, c'est-à-dire quand ils ont prié sur lui lorsqu'il est mort, c'est un nombre tellement grand qu'il ne peut pas les calculer. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas calculer, il y en a tellement qu'il y avait du monde. Et le chef, il dit, وكانت مثلا واضحا لقول الإمام أحمد قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم شهود الجنائز. Il dit, ça c'était un exemple clair de la parole de l'imam Ahmad qui a dit, dites aux gens de Bida, entre vous et nous, il y a la présence à la prière des funérailles, hein, la présence aux funérailles d'un alim. Quand un des alims de Ahl Sunnah est décédé ou meurt, on voit que il y a un grand nombre de personnes qui assistent à sa janaza. Tandis que quand c'est une personne de Bid'a, personne ne s'occupe de lui. Quand il est mort, c'est comme s'il n'était jamais là. Hein? Et c'était comme ça à l'époque de l'imam Ahmad et à l'époque des grands imams de Ahl Sunnah. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça également. Hein? Donc ça montre, ça c'est une des différences entre les gens de Bid'a et les gens de Ahl Sunnah. Alhamdulillah, Allah il les élève, c'est un témoignage.
وهكذا مات بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف والمناظرة والدفاع عن منهج السلف، ولم يتزوج ولم يتسرى ولم يخلف مالا. Il dit, et c'est comme ça qu'il est mort après une vie remplie de da'wah, de jihad, d'enseignement, de fatwa et d'écrit et de débat et de défense du manhaj des salaf. Et il ne s'est pas marié, il n'a pas pris non plus d'esclave et il n'a rien laissé comme bien, en bien, comme bien matériel. Donc c'est ça, yani. C'est ça la vie d'Ibn Taymiyyah, un petit résumé de la vie d'Ibn Taymiyyah. Il ne s'est jamais marié et il n'a pas laissé aucun bien. Et il n'a pas pris d'esclave également. Parce que des fois, on mentionne à propos de certains ulama qui ne se sont pas mariés, mais ils avaient peut-être ils avaient une esclave ou des esclaves. D'accord? Pas Ibn Taymiyyah. Et on sait que l'imam Ahmed s'est marié à 40 ans. Hein? Donc, certains parmi les ulama, ils ont été trop occupés par certaines choses pour pouvoir se marier, mais on sait que c'est une sunna de se marier. Probablement que Ibn Taymiyyah aurait voulu se marier, mais étant donné qu'il était constamment dans le djihad ou dans la prison ou dans d'autres empêchements, il n'a pas eu le temps de penser à ça ou de se marier réellement. Mais alhamdulillah, c'est sûr que s'il avait eu l'occasion ou le temps, il l'aurait fait. Wallahu a'lam. Après, il dit, parce qu'on voit l'attachement d'Ibn Taymiyyah pour la sunna, donc quelqu'un qu'on voit quelqu'un comme lui, on sait que c'est une des personnes les plus attachées à respecter et à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي » Au sujet de ceux qui ne voulaient pas se marier, il a dit « ceux qui délaissent ma sunna, ils ne font pas partie de moi. » D'accord? Donc, Subhanallah. Donc, Allahu A'lam. Après, il a plusieurs livres, Ibn Taymiyyah. Et puis, il y a le Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa, c'est un livre qui, le recueil de Fatawa de Ibn Taymiyyah, qui a été rassemblé par Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi. Et c'est celui qu'on connaît maintenant qui est de, je pense, 37 volumes. 36, 37 volumes. Et ça, c'est juste une partie des écrits de Ibn Taymiyyah. Parce que il en a beaucoup d'autres encore. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc, le livre qu'on va étudier, c'est l'Aqid al-Wasitiyya avec le sharh de l'imam Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous donner un exemple parce que là, déjà, on a fait 1h30. Donc, on va peut-être pas aller loin, mais c'est juste pour vous. Walaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est juste pour vous dire que l'autre sharh, celui de Mohamed Khalil Harwas, c'est également un charh qui est très bénéfique, qui est très bien fait. Je l'ai étudié avec les cassettes du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Parce que Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il a fait, je me souviens plus si c'est 30 cassettes ou 20 cassettes pour expliquer l'Aqida Al-Wasitiyya avec le charh de Mohamed Khalil Harras. Et Mohamed Khalil Harras, eh bien, le cheikh Mohamed Aman a étudié sous ce cheikh à l'université en Arabie Saoudite. Donc, Mohamed Aman était un des élèves de Mohamed Khalil Harras. Et une petite anecdote au sujet de Mohamed Khalil Harras, subhanallah, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que Mohamed Khalil Harras a étudié à l'Azhar. Et il a fait sa thèse de doctorat à l'Azhar. Et sa spécialité, c'était les philosophies et ilm al-kalam. D'accord? Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'il a fait présenter son sujet pour faire sa thèse de doctorat,
il a présenté comme sujet qu'il voulait réfuter Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc, il a commencé à rassembler les livres qu'il a pu trouver au sujet de Ibn Taymiyyah pour préparer sa thèse de doctorat pour faire sa réfutation au sujet de Ibn Taymiyyah. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'après avoir étudié un peu, environ les trois premiers mois, commencé à lire les écrits de Ibn Taymiyyah, puis analyser ça, eh bien, il a commencé à réaliser que c'était Ibn Taymiyyah qui avait raison. Et donc, il a changé le sujet de sa thèse, et au lieu de faire une réfutation contre Ibn Taymiyyah, sa thèse est devenue une défense de Ibn Taymiyyah, en faveur de Ibn Taymiyyah. Et il a appelé, le titre de sa thèse était Ibn Taymiyyah al-Salafi. Ibn Taymiyyah al-Salafi. Et il est publié, sa thèse est publiée, et elle est vendue, elle est disponible dans les librairies islamiques, vous pouvez les trouver, vous pouvez le trouver, moi je l'ai à la maison, je l'ai lu, et vraiment, mashallah, c'est vraiment intéressant, mais moi quand je l'ai lu, je ne savais pas cette histoire, mais c'est quand j'ai étudié le charh de Cheikh Mohamed Aman, dans l'explication du Cheikh, il nous a donné cette histoire-là, et vraiment c'était incroyable, yani. Et il y a beaucoup de chiurs comme ça, de l'époque, qui étaient en Égypte et dans d'autres pays, qui ont accepté le manhaj des salaf et qui sont revenus à la voie des salaf, qui ont quitté leur bid'a, que ce soit Ash'ariya ou bien Soufiya et tout ça, et ils sont tous partis en Arabie Saoudite pour, ils sont devenus des professeurs et des chiurs là-bas et tout ça, comme Abdurrahman al-Wakil et un autre aussi, Al-Faqih, j'ai oublié son nom, son prénom, en tout cas lui aussi, c'est parmi les grands ulama, Abdurrazzaq, Afifi, je crois également que lui aussi était d'origine égyptienne, Wallahu A'lam, et il y avait en Égypte, Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya, et c'est ces chiurs-là qui ont commencé ce groupe yani, qui défendait la Sunna, hein, qui était Salafi, à cette époque-là. Et wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est juste pour dire qu'il y avait des gens qui étaient sur la sunna à l'époque, et alhamdulillah, yani, donc ça c'est l'exemple de Mohamed Khalil Harras. Sauf que j'ai trouvé le livre de Cheikh Al-Fawzan comme étant plus simple. C'est pour ça que j'ai voulu faire celui de Cheikh Al-Fawzan, et puis des fois je vais me référer à des notes que j'ai pris lorsque j'ai étudié le charh de Cheikh Mohamed Aman dans les cassettes. Je vais me référer à certaines notes que j'ai prises dans ces cassettes-là pour clarifier certains sujets si c'est nécessaire, inshallah. Donc, ouais, c'était physiquement, ouais, non, parce que à cette époque-là, il n'y avait même pas encore vraiment, c'était pas là. Mais c'est pas les cassettes, c'est ils amenaient physiquement Ibn Taymiyyah, ils amenaient leurs enfants physiquement dans la mosquée où ils l'expliquaient pour qu'ils entendent ces explications-là. Parce que c'est vrai, il explique les choses vraiment d'une façon incroyable. Mais il faut oser prendre son livre là puis le lire. Il y a des gens qui pensent que lire Ibn Taymiyyah c'est difficile. Laissez-moi vous dire, c'est pas plus difficile que ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça dépend uniquement de quel livre vous lisez et du niveau de votre connaissance personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez lire de ces livres? Vous allez uniquement comprendre ce qui est à votre niveau dans ces paroles. Si vous allez arriver dans un domaine ou dans une question qu'il explique, et vous allez essayer de lire, si vous n'êtes pas arrivé au niveau, si vous n'avez pas le bagage nécessaire pour le comprendre, vous n'allez rien comprendre de toute façon. Donc il y a des introductions à connaître, des choses à connaître avant d'entrer dans certains domaines ou dans certaines questions. Sauf qu'il y a d'autres livres d'Ibn Taymiyyah, tout le monde peut les lire. Tout le monde sont capables de les lire. Et de même, la même chose, certains disent, ah, Ibn Qayyim, c'est difficile à lire. C'est pas vrai. Ibn Qayyim également, Yanni, c'est la même chose. Il y a des livres il y a des domaines où il parle de choses très, très compliquées. Quand il rentre dans certaines questions, c'est vrai que c'est difficile, mais il y a d'autres choses. Quand il les explique, c'est très simple à comprendre. Yanni, n'importe qui connaît l'arabe comme il faut, il est capable de lire ça et bien comprendre qu'est-ce que
le cheikh est en train d'expliquer. Et ce qu'il comprend pas, il peut retourner aux ulama et aux shuyukh pour demander des clarifications, ou bien même, yani, si c'est possible de trouver des shuruh ou des explications de certaines choses, yani, il retourne au sharh des ulama et les ulama clarifient parfois yani, certaines choses à ce sujet-là. Ibn Taymiyyah, il était d'origine arabe, mais il était de Harran en Syrie. Oui, il était de la Syrie. Ok, je... Masha'Allah. نعم exactement نعم même pas la langue. J'ai entendu cette histoire là, c'est vrai, c'est incroyable. Ouais, il a dit, je vais le répéter parce que on n'entend pas dans le micro si je le répète pas, c'est que Ibn Taymiyyah, une fois il était dans un marché comme il dit, et puis il y avait deux personnes qui avaient une dispute, ils se disputaient à propos de quelque chose, et lorsqu'on a appelé Ibn Taymiyyah par la suite, et ces deux hommes-là parlaient dans une langue que Ibn Taymiyyah ne connaissait pas, je pense que c'était le perse, ou une langue de ce, comme ça, et quand on a amené Ibn Taymiyyah en cours pour qu'il témoigne au sujet de qu'est-ce qui s'était passé, et bien Ibn Taymiyyah a répété exactement les paroles que ces hommes-là avaient dit dans leur langue, alors qu'il connaît même pas un mot de ces langues-là, yani. C'est incroyable, hein. Non, c'est vrai. Donc, il y a des hommes comme ça à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne un don, là. Il leur donne cette chose-là, puis, yani, c'est une bénédiction, yani, d'Allah. Non, ça c'était l'imam al-Bukhari, je crois. Ouais. Quand on voulait tester l'imam al-Bukhari dans sa connaissance et dans sa mémorisation, on lui a donné 10 hadiths avec 10 isnads mélangés, puis on lui a montré, et on lui a donné ces hadiths-là, et là lui il les a tous remis en ordre, il a dit ce hadith-là il va avec tel isnad, et tel isnad il va avec tel hadith, etc. Il les a tous remis tels qu'ils étaient. Donc c'était pour montrer, yani, le niveau de connaissance, le degré de maîtrise de ces gens-là dans ces domaines de science-là, yani, subhanallah. Tu veux dire pour la période de Ibn Taymiyyah? Tu veux dire dans le calendrier chrétien? Musulman? Il est né en quelle année? Ouais, c'est ça, 661. Ah, العد والإحسان. C'est Yassine, Abdelsalam Yassine, en Maroc. C'est un soufi, ouais. Ouais, c'est un mouvement marocain, ouais, au Maroc. C'est une des jama'at là-bas. Puis ils suivent un cheikh soufi, là, Abdelsalam Yassine. Ouais, mais là, ils font la fuite là, avec le gouvernement les frappe, et eux, là, maintenant, ils crient aux droits de l'homme, ils demandent l'aide des koufars, yani, contre ces choses-là. Et là, ils veulent se rassembler devant le consulat marocain pour faire de la fuite là encore. Donc ça, c'est des gens, yani, c'est des gens de bid'a de toute façon. C'est ça leur méthodologie. Suivre l'exemple des koufars, faire des démonstrations, puis tout ça. Ça, c'est pas la voie du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il nous a pas enseigné de faire ça. Il a dit, ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha. Donc, si on a quelque chose à donner comme conseil aux dirigeants, on lui donne. Et, as-sam'a wa ta'a. Hein? Wa in duriba dhahruk. Wa ukhiza maluk. Même si tu prends ton bien, même si tu frappes ton dos, tu dois écouter et obéir. Illa an ya'mur bi ma'siyah. Sauf s'il t'ordonne à faire un péché, là tu l'obéis, pas dans le péché. Mais dans toute autre chose, tu n'as pas à appeler les musulmans à révolte ou à manifestation ou toute autre chose. Ça c'est contraire au Coran et à la Sunna et à la voie des salafs. Et les musulmans d'aujourd'hui, ils ont été influencés par
les koufars et par les ils ont été influencés par les systèmes des koufars et tout, ils suivent l'exemple des koufars au lieu de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tant qu'ils établissent la salat, c'est-à-dire tant qu'ils font établir dans le pays la salat, et tant qu'ils n'ont pas fait un kufr qui est clair, إلا أن تروا كفرا بواحا فيه من الله برهان comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, puis il faut que ce soit un kufr clair sur lequel il n'y a aucun doute, puis même s'ils font un kufr clair, parfois ça ne veut pas dire que c'est justifié faire la révolte ou de prendre des moyens de force contre eux, si on croit que le fait de le faire, ça va amener une fitna plus grande que celle qu'on veut éliminer, il ne faut pas le faire. D'accord? Ça a été expliqué par les ulama. Ils ont expliqué ça plusieurs fois. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils sont tellement à la tête dure, ils veulent absolument uniquement faire la fitna. Ils veulent pas voir les conséquences de qu'est-ce qu'ils font. Et ça, c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, subhanallah. Donc, ça devrait être suffisant pour convaincre quelqu'un qui doit pas le faire. Mais il y en a des gens, tu leur mentionnes le Coran, tu leur mentionnes les hadiths, peu importe qu'est-ce que tu leur mentionnes, yani, on dirait qu'ils veulent pas croire. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْضَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ Qu'est-ce qu'ils vont croire? S'ils ne sont pas convaincus par le Coran et la Sunna, par quoi ils vont être convaincus? Par les coups de matraque sur leur tête, quand les policiers vont leur donner. C'est juste ça qui va les convaincre, yani. Subhanallah. Donc c'est pour ça, ils se font punir par les gouvernements. Allah Musta'an. Donc Allah Musta'an. ما جعلت فيها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم